Après Nicolas Sarkozy, c'est au tour d'Angela Merkel de se faire du souci. Les conservateurs de la chancelière allemande ont perdu hier le plus important land du pays, la Rhénanie du Nord-Westphalie. Le candidat de la CDU, Norbert Röttgen, n'a obtenu qu'un peu plus de 26% des suffrages contre plus de 39% pour sa rivale social-démocrate. Un camouflet retentissant dans cette région plus peuplée que les Pays-Bas et plus riche que la Turquie. Un signe de bon augure, donc, à 16 mois des législatives pour les sociaux-démocrates du SPD. Angela Merkel brigue un troisième mandat, mais les conséquences de cette débâcle au niveau européen pourraient s'avérer plus importantes que prévu. C'est en tout cas l'opinion de la ministre présidente de Rhénanie du Nord-Westphalie, Anne-Laure Kraft. Anne-Laure Kraft a annoncé une coalition avec les Verts qui ont décroché hier 11,3% des voix. L'autre surprise de cette élection vient du Parti des Pirates. Ce jeune mouvement contestataire fait son entrée dans le Parlement régional avec 7,8% des suffrages. Un parti qui est désormais représenté dans 4 Länder allemands.